Salut Danacalypsia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de ces personnes là, donc les ESPA, pour une nouvelle vidéo qui s'agit de la danse practice de Next Level. Alors celle là je vais pas la regarder sur le compte d'ESPA, je vais la regarder sur le compte de Studio Shum, qui appartient à Mnet, si je dis pas de bêtises. Donc la vidéo s'appelle Full Focus ESPA Next Level 4K Be Original, parce que je pense que la vidéo sera un peu meilleure. Enfin, je dis pas que la version de base sera, est mauvaise, mais le truc c'est qu'elles sont à moitié dans une salle à moitié sombre et tout. Et, du coup je me dis l'ambiance du studio Shum peut être pas mal. Mais bon, après dans tous les cas, c'est surtout la chorégraphie qu'on va juger. Donc je vais la lancer maintenant. Ah, pas de pub. Ah, pas de pub, mais des bugs. On va la remettre au début. Ça c'est le seul mouvement que je retiens de la danse pratique, enfin du qu'il y avait dans le MV. Je peux jouer avec les ondes derrière, elle est vraiment pas mal. Donc ça me fait énormément penser à Stellar. Le mouvement où elle se caresse à moitié les fesses. Hein. C'est bien limite.
Bon, du coup, bonne chorégraphie. Vraiment, y a des trucs qui sont vraiment sympas. Après, surtout le mouvement du bras, là, quand ils cassent le bras, là, quand ils font le bras, là, qu'ils le cassent comme ça, là, j'aime beaucoup. Mais après, le reste, c'est assez spécial. Surtout la partie musique fait penser au titre Marionnette de Stellar, là, c'est assez chelou. Surtout que Stellar avait ce titre-là fait exprès pour faire du sexy plus que du badass. Donc là, niveau chorégraphie, on est très éloigné d'un style badass sur cette partie-là. Après, j'ai pas grand-chose de plus à dire, mais je vais plus revenir sur le titre en lui-même parce que quand j'ai regardé le MV, je ne savais pas que c'était une reprise. Voilà, parce que bon, Forever, je savais que c'était une surprise, donc j'ai pas été étonné. Le Next Level, en fait, c'est en discutant avec d'autres fans sur Internet que j'ai appris que c'était encore une reprise. Donc il me dit, les pauvres, ils ont trois titres, et l'ASM leur offre deux reprises. Tu me dis, c'est un peu de la merde, quoi. Même si ils reprennent très bien les titres et tout, enfin. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas être les futurs remplaçants de Red Velvet et juste leur donner des reprises, quoi. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être que l'ASM se décide à leur écrire des vraies chansons, quoi. À part Black Mamba qui est vraiment marquant, Forever était super, mais bon, tout le monde l'a vite oublié. En plus, l'ASM a perdu beaucoup de gens qui étaient intrigués par. Par Black Mamba à cause de Forever qui arrivait beaucoup trop tôt. Ensuite, là on a un Next Level dont je pense qu'il a peut-être gardé ceux qui étaient encore là et peut-être que même d'autres personnes, comment dire, d'autres personnes un peu plus curieuses sont peut-être revenues sur aespa et tout, mais voilà, en plus une reprise. Quand tu regardes le titre de la reprise, mais mon Dieu, genre une reprise d'un titre de Fast and Furious, non mais vraiment, ils ont vraiment que ça à foutre. Enfin, ben voilà, j'ai rien contre Fast and Furious, hein, mais c'est des nanars, Fast and Furious. Ben, moi, honnêtement, je regarde ça quand j'ai envie de me prendre la tête. Des fois, je me dis, tiens, je vais me regarder un film en étant posé et pas réfléchir. Et surtout qu'il n'y ait pas de logique, parce que mon Dieu, Fast and Furious, c'est du Mission Impossible, mais en mille fois moins bon. Mais bon, j'adore les acteurs qui sont dedans. Enfin, surtout que là, ça reprend le spin-off. C'est une chanson qui vient du spin-off, donc avec Statham et The Rock, et j'aime beaucoup Statham The Rock. Puis Idris Elba, j'adore. Vanessa Kirby, j'adore. Donc voilà, mais. Je me dis. Il y a des milliards de chansons sur la planète, et ils vont prendre un truc de Fast and Furious, donc. Je me dis, ils auraient pu faire quand même beaucoup mieux pour un groupe de cette envergure, quoi. Mais bon, après, c'est leur choix. Peut-être qu'ils le payeront un jour. J'espère pas, parce que moi, j'adore aespa. Ça reste toujours un de mes groupes préférés, malgré les erreurs de l'ASM avec. Mais bon. En tout cas, c'est comme ça. On peut rien faire. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, du coup, ce que vous pensez de cette chorégraphie. Ce que vous pensez également du fait que l'ASM n'utilise que des reprises pour les titres de aespa, hors début de song, parce que Black Mamba est un peu à part, vu que c'est un début de song, fallait un truc qui accroche, qui tape, et puis ils avaient tout parfait, la musique, la danse qui était parfaite et tout. Et c'est vrai que depuis, elles se tapent que des reprises et ça perd un peu de leur charme. En plus, on est quand même au troisième titre. Toujours pas d'album. Ça commence à faire beaucoup. Quand on voit la Tribee, deuxième MV, deuxième single album. Pixie, deuxième titre, premier mini-album. Everglow, quatrième titre, troisième ou quatrième mini-album. Enfin, tu te dis au bout d'un moment. Vous êtes l'ASM, hein, vous faites partie des quatre plus gros labels, vous n'êtes pas foutu de lâcher même un single album, quoi. Enfin bref.
À mon avis, là, ils doivent être vraiment focus sur le futur départ de Red Velvet ou sur le nouveau groupe mélange. Là, ils veulent former un petit groupe mélange, je sais plus comment il va s'appeler, qui mélange, je crois qu'il y a Winter dedans, je crois qu'il y aura une membre de Red Velvet, une membre de Girls' Generation, enfin, ils veulent faire un petit groupe éphémère qui réunit des membres de différents groupes féminins qui ont appartenu à la SM. Ce qui peut être cool, mais le mieux c'est quand même de s'intéresser aux groupes qui existent actuellement. Enfin, alors actuellement Red Velvet existe encore, mais bon, on est quasiment sûr à 90% que Red Velvet va disband au mois d'août. Donc voilà, y a pas trop. Je pensais pas trop réfléchir en se disant que Red Velvet va bientôt disparaître, ce qui est assez triste, mais je pense que c'est la réalité des choses malheureusement. Donc on va s'arrêter là pour Aespa. Et du coup, on va, pour la prochaine fois, en tout cas en ce qui concerne Aespa, regarder la réaction des membres à leur propre MV. Parce que j'adore faire ça. Ce qui sera également le cas avec Everglow, avec Pixie, avec Tribee. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Donc voilà, ce sera les prochaines, enfin du moins. Niveau d'espace, c'est la prochaine vidéo que vous aurez, parce que comme il n'y a pas d'album, il n'y a rien d'autre. Allez, salut les Anacalypiens.